Salut, c'est Extreme Staline pour cette nouvelle vidéo sur Modern Warfare 3. Donc là, ce n'est pas moi qui joue, hein, je préviens tout de suite. On va pas vous faire attendre. C'est Kono qui joue en mode infecté. Donc c'est Mastodon vs Striker. Donc le pauvre petit Masto, là, il se fait reculer dans les recoins reculés de la reculée. Ça veut rien dire ce que je dis. Sur Dome, hein, vous l'aurez remarqué pour ceux qui possèdent le jeu, donc à peu près tout le monde. Pour ceux qui possèdent une PS3, évidemment. Et ceux qui possèdent un ordinateur pourront voir cette vidéo, donc voilà. Je dis de la merde. Donc là, c'est... D'ailleurs, c'est un peu con de mettre que deux pitons, parce que c'est de la merde, quand même. Les pitons Akimbo, enfin, ceux qui aiment, voilà. Ceux qui aiment pas, ben pas voilà. Donc ceux que vous voyez, celui que vous voyez là en gun numéro, c'est Alcatraz 401. Donc un gars de la team, hein, un nouveau gars, une recrue. Et je voulais vous m'excuser parce que je sais pas si vous suivez ma chaîne, mais ça fait à peu près un mois que j'ai pas fait de vidéo. Alors là, je m'excuse tout de suite. Il y en a qui se sont demandé pourquoi, est-ce qu'il a arrêté sa chaîne. Non, absolument pas, je n'ai pas arrêté ma chaîne. C'est juste que entre les vacances, les trucs comme ça, j'avais vraiment pas le temps ni l'envie d'ailleurs de faire une vidéo. Hein. Faut bien comprendre que je fais des vidéos par envie, comme à peu près tout le monde en fait. Et ta gueule. Parce que là, il vient de me couper en plein dans ma phrase politique, non. Et je sens que cette vidéo va durer pas beaucoup de temps, parce qu'en fait, il y a un compte à rebours, je viens de penser. Donc je pense qu'ils vont faire deux parties d'infectés. Je vais lui demander, ouais, il a mon accord. Enfin, j'ai son accord de merde. De toute façon, même s'il était pas d'accord, il l'aurait fait. Parce que les coups de pied au cul, ça fait mal avec moi. Je vous raconte ma vie, vous n'aimez pas ça. Passons au vif du sujet. Donc j'ai fait cette vidéo infectée. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais faire les petites oubliées de Modern Warfare 3 épisode 3. Sauf que on s'est rendu compte en fait à la fin que j'avais pas enregistré la capture. Donc en fait on était un peu mal. Et oui, donc là je suis sûr, là il vient de me demander, oui, là je suis sûr d'avoir capturé la vidéo. Donc pas de problème. Vu que ça fait un mois là, je sais plus du tout commenter, hein. J'espère que je vais pas trop faire de la merde. Ce serait regrettable là, pour cette première vidéo en infecté. Moi je déteste le coup des mastos. Déjà les mastos c'est lent, donc en infecté voilà. En plus les gars ils ont des XM25. Deuxième point mais négatif. Des strikers, donc s'ils se mettent à plusieurs sur toi, t'es pas, t'es voilà. En plus, voilà, ils ont main du mort, donc ça rajoute de la merde. Et au début, en fait, les gars se moquent du premier infecté, mais après, en fait, c'est les infectés qui se moquent du dernier survivant. Et ils survivent pas, les gars. Pauvre Louis, pas de chance. Ah, mais la main du mort, elle est vraiment exagérée. On dirait que, je sais pas, que le mec il tient un obus dans sa main et il fait cul ou câlin et poum, ça vous explose dans la gueule et vous avez même pas le temps de dire oh fuck mother. Enfin, ceux qui me connaissent sauront pourquoi je dis oh fuck mother. D'ailleurs, Dome, je me suis posé quelques questions au sujet de cette map. Parce que voilà, regardez, il passe devant le message, la please leave you press. D'ailleurs, il le regarde là, parce que vu que c'est du direct live, hein, j'avais oublié de préciser. D'ailleurs, quand je fais des direct live, c'est jamais moi qui joue. Hein. Ah, mais passons, on s'en fout. Ah, voilà, il reste plus qu'une minute. Je voulais vous prévenir aussi que je faisais. Que j'avais Black Ops, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Et je fais des vidéos, je peux faire des vidéos zombies. Donc, vu que j'ai, il va dire non, il a que Kino et Five et des Daps Arcane, mais il est même pas assez con pour nous faire une vidéo dessus. Et ben en fait, j'ai acheté le pack Résurrection. Donc pour ceux qui savent pas, le pack Résurrection, il inclut des maps Moon, Derizer, Veruk, Shinorma. Et donc des maps World at War et Moon, une map Black Ops, une toute nouvelle. Voilà.
que vous venez de voir, c'est encore une main du mort, donc de loin on voit encore plus à quel point c'est exagéré. Voilà, donc là c'est victoire. Donc les survivants ont gagné. Ben c'est un petit peu évident, au coup du mastodonte. Je me rends compte, en fait, je sais pas si la vidéo va être de meilleure qualité, mais en fait parce que j'utilise un nouveau logiciel de montage. Donc avant j'utilisais Pinnacle Studio 12, donc que j'avais reçu avec mon Dazzle. Et là j'ai acheté Pinnacle Studio 14. Donc c'est son évolution, on va dire, hein, qui comporte pas d'amélioration visible. Enfin, j'ai pas vu. C'est juste, j'espère que la vidéo va être de meilleure qualité. Voilà. Donc là, ils vont faire une deuxième partie. Enfin, oui, ils vont faire une deuxième partie. Je vais voir à combien on est rendu de vidéos. 5 minutes. Donc la couteau VS type 95, apparemment la partie. Donc même s'il a rejoint en plein cours, c'est pas bien grave. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vais poser une question. Pourquoi c'est une blague? Ah, c'est pas grave. Non, en fait, c'était de la merde. Ce qu'il voulait me dire. Ah bah en fait non, c'est une vidéo. Enfin c'est une... Attendez, la connexion c'est quoi? Ah non, c'est bon. Ah sauf cool Anne X hein, là. Ah bah non, c'est bon. Type 95 arme. Comment dire? Cheatée. Oui, elle tue sa race. Enfin, elle. Oui. Elle nique sa maman, comme dirait je sais pas qui. Je veux dire, il suffit d'une rafale pour tuer le mec et t'as même pas besoin de bien la placer. Enfin, passons, on en a déjà parlé sur une vidéo. Voilà. Il y avait aussi de quoi je voulais vous parler. Je voulais vous faire des vidéos Battlefield. Mais après, je sais pas si vous voulez, parce que je sais pas si les gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui regardent ou qui seulement regardent mes vidéos par plaisir et qui n'ont pas de chaîne pour s'abonner, parce que c'est devenu extrêmement chiant de créer une chaîne YouTube. Je sais pas si vous avez vu, faut carrément avoir un compte Google. C'était beaucoup plus simple avant, en fait t'avais juste à rentrer une adresse email et un pseudo et t'avais ta chaîne. Maintenant il faut carrément créer un compte Google, puis après aller sur YouTube, et après tu te rends compte qu'en fait le pseudo que t'as mis sur Google, et ben c'est celui qui a écrit sur qui a sur YouTube, donc tu t'es fait baiser en fait, parce que par exemple tu veux mettre un pseudo genre Xleb super défonceur tout XD, ben tu te rends compte qu'en fait vu que sur le compte Google t'as mis Charles Martin, ben ton compte YouTube il s'appelle Charles Martin et ben t'es baisé en fait. Mais je pense que, je sais pas, soit ils ont mis ça parce que ça rendait le côté bien chiant et qu'ils aiment pas les enfants et les geeks. Soit, c'est juste qu'ils se sont dit, ça va nous faire de la pub pour Google et il y aura plus de gars qui s'inscrivent sur Google+. Ah là là, les sadiques. C'est vraiment, vraiment très chiant maintenant de s'être créé une chaîne YouTube. C'est dommage, je voulais me faire des chaînes secondaires, mais voilà, c'est trop chiant maintenant. Et voilà, il fallait mieux s'inscrire avant, les gars. Maintenant, pour ceux qui vont penser pour créer une chaîne YouTube, ils sont baisés. Si je peux me permettre l'expression. Enfin, moi, j'ai créé Extreme Staline pendant le coup du Google, mais j'ai voulu créer une chaîne secondaire et je me suis rendu compte que c'était de plus en plus compliqué. Enfin, passons. Pour ce qui est des vidéos Battlefield, je me débrouille pas trop mal. La dernière fois, j'ai testé le fusil à pompe là qu'on a en médecin, enfin en assaut plutôt. Et j'ai vu qu'il y avait l'arme, un fusil à pompe. Enfin, je suis pas sûr même que c'est. Enfin, il y avait un fusil à pompe et il y avait le MP412 en arme secondaire. Et le MP412 Rex, il est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Enfin, voilà. Il a de la portée au moins, pas comme dans Call of Duty MW3. Et le fusil à pompe, vraiment, hein, c'est limite si one shot, hein, enfin il one shot, mais voyons, le Space 12 dans MW3, une fois sur deux, il one shot, donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. Et je vous dis à la prochaine vidéo et salut!